localiser le vaisseau écrasé. Deux charognards parlaient d'un crash de vaisseau d'une récente. De... Il y a peut-être des survivants. Ça, ça peut être vachement intéressant à faire. Colonisation d'Hélène. Ah oui, ça, on va le faire. On va le faire aussi, on va s'en occuper. Oh. Voyage instantané. Oh. Et salut à tous, c'est Narm, de retour dans Mass Effect Farming Simulation. Je veux dire Mass Effect Andromeda. Toutes les planètes ne se ressemblent pas, mais sauf dans Andromeda où toutes les planètes se ressemblent. C'est exactement le même système. On arrive, on aide les gens, on pose un avant-poste, ensuite on se barre, on va voir ailleurs et on refait la même chose. Attention, un cratère. C'est vrai. Un cratère? Où ça? Là? Oh, mais il est tout petit! Il est tout rikiki! Comme mon... Ok, bon, on va y avoir de la route. On va cup-cup. Cut-cut. Cup-cup-cup-cup-cup-cup-cup-cup-cup. Ah! Où ça tire? Y'a des survivants! Ah! Comment osez-vous tirer sur les survivants? Il est où, le mec? Il y avait des mecs il y a deux secondes, là. Merde, je pensais que... Comment ça vous glitchez les gars là? C'est quoi cette arnaque? C'est bien ça, Drac. Bam. Combinaison. Oh. Et l'autre, il a disparu où? Et t'es où, mec? Ils ont tous disparu. Beau travail. What the fuck. Ils avaient tous disparu, c'est quoi cette arnaque? Ok, voyons voir. Il y a des trucs à scanner ici. Non, par contre j'entends un... Hein? Quoi? Où? Comment? Comment? Oula, oh là là, oh là là. C'est du vilain ça. Bonjour messieurs. Et boum! En plein dans ta trogne. Viens là. Laisse-le voir. Voilà, ninja. C'est bien, Drac. Drac, je le garde, hein, définitivement. Ok, d'accord, cool. J'adore c'est ce début d'épisode où tous les trucs apparaissent de nulle part. What the fuck? Je peux pas scanner ça. Évidemment que non. Pilote, tu vas bien? Vous tombez à pic, pionnier. Comme toujours. Encore une minute et ces charognards nous auraient tous dépecés. Mais non, ils vous auraient vendu et après ils vous auraient dépecé. Dépecé, sérieusement, c'est ça. Plaisantez, non? Qui sait? Il y a des histoires qui circulent. La désolation rend les gens un peu instables. Oh, la chaleur, tu veux dire ? Vous croyez ? Bien sûr. Sam, transmets notre position aux tempêtes et dis-leur d'envoyer une navette. C'est fait, pionnier. Les secours arrivent. On reste ici en attendant la navette. On ne devrait pas avoir d'autres problèmes d'ici là. Encore merci. Fuck ! J'avais espéré que c'était des survivants de l'arche turienne. Merde ! Bon, bah... Au moins, j'aurais atteint le niveau 34, c'est cool. Bon, bah, on n'a plus qu'à se TP, again. Et on va établir notre colonie. Tac. Non, dégage le truc, je veux. Voilà. Boum, boum. Instantané. Téléportation. Blablabla. C'est de la technologie Star Trek. En poste de l'initiative. Comment? Tu m'as parlé, Sam? C'est une erreur, Sam. Tu ne devrais pas me parler. Tu ne devrais pas m'adresser la parole. Je suis ton maître et ton dieu. À genoux devant moi. Vous savez ce qui m'étonne? Je ne suis pas en colère. Parfois, je me dis que je devrais être furieuse. Par rapport à quoi? Ça servirait. La colère, ça motive peut-être, mais ça règle pour les problèmes. La colère mène au côté obscur. C'est pour ça que vous avez quitté. Elle est activée. Oui, on s'en fout. Confirmé. De ta vie sexuelle. Que tu auras bientôt avec moi. Non, je veux dire... Vous j'ai rien dit. Nous étions au bord de la guerre civile. Ah ouais, carrément. Ah ouais, j'ai vu qu'on était au bord de la guerre civile. Rien de poétique là-dedans, n'est-ce pas? J'étais parti du principe que les Krogan étaient perdus pour de bon. Beaucoup trop de problèmes d'ego. Heureusement, mes registres ne tiennent compte que des résultats. Ajouter la colonie Krogan au nombre de nos avant-postes m'arrange bien. Mais tout le monde ne possède pas mon sens pratique. Cela ne plaira certainement pas à Tan. J'emmerde Tan. Bah, j'emmerde Tan, oui. Vous pouvez pas imaginer. Je fais ce que je veux. Je suis pionnier. Bien entendu, je ne me permettrai pas de commentaires. Oui, ça vaut mieux. Parce que je m'en contrefous aussi de ton commentaire. Le dernier soi-disant monde en or que nous pensions irrécupérable. Vous avez réussi. Et ça attirera à coup sûr l'un des traceurs du docteur. What? C'était le dernier monde en or?
Kennedy et son enfant restent une priorité. Hein ? Mais pour l'instant, j'ai besoin que vous soyez mon porte-parole. Expliquez aux gens tout ce que... Mais je veux pas être ton porte-parole ! Ravissez nos drapeaux d'avant-poste. Ça m'a l'air plus important que ça. L'important est de donner le ton. Et non de le travail est déjà fait, accrochez vos ceintures. Les deux réponses sont drôles, mais elles sont aussi connes l'une que l'autre. Ok. Grâce aux Krogan et à leur nature de survivants envers et contre tout, nous avons une nouvelle terre d'accueil. Envers, de Cet endroit terre. Est encore sauvage et c'est dangereux. Drôle. Mais il représente une lueur d'espoir. Neo Tuchanka. C'est archivé, pionnier. Fin de la transmission. C'est ça, casse-toi. Et c'est vrai que j'en parlais avec Trazia, et pour moi, le gros défaut du jeu, c'est qu'on est censé être dans une nouvelle galaxie. A priori, tous les habitants sont censés être dans la merde puisque c'est pas viable et qu'on n'a pas activé les caveaux quand on arrive. Mais, en attendant, on n'a aucune sensation de survie. Et c'est vrai que ça, je trouve que ça pète complètement l'immersion. C'est-à-dire qu'on arrive et les gens sont « Ouais, non, ça va, tranquille. Non, on a besoin d'eau, on est en train de crever de soif. Non, ça va. Non, à côté, ça va. Tout va bien. On n'a pas besoin de toi, pionnier. » Mais quoi ? Ça manque de, je sais pas moi, de Krogan sur cette planète qui serait sur le sol, vraiment déshydraté. Ça manque de... Vraiment, j'ai pas la sensation... Voilà, enfin, ça sert à grand chose d'ouvrir les caveaux finalement. On a vraiment fini les mondes en or ? What the fuck ? C'est vrai ? Non. Attendez. Je vérifie, c'est pas possible. On a fini les mondes en or ? Ça c'est les quêtes, approvisionnement, machin. Attends. Il y a que ça comme monde. Alors je sais que les mondes en or, il y en a pas tant que ça. Mais c'est vrai que là pour le coup, je m'attendais à ce qui est plus tout ce qui est monde en or pour les Galariens, les Asari, les Turiens. On les a déjà visités. What? Espèce des arches. Non, ça c'est le codex, on s'en fout. Les quêtes, attendez, on va regarder les quêtes prioritaires. Potentiellement lucratives, elles sont plutôt vagues, il s'agit d'une zone où l'Arche Telerien a dû se rendre. Vetra et Pibi suggèrent d'aller jeter un œil. Il y a cette planète où on doit aller, un nouveau monde. Est-ce que c'est un autre monde en or ou c'est juste un truc qu'on a découvert genre là? Donc on va tout marquer comme lu, on s'en fout. On va faire vite fait les points de combat. Aptitude au combat, ça c'est quoi? Ah, c'est pour augmenter les boucliers. Oui, ça nous serait utile. L'arsenal, ça c'est quoi? Efficacité des consommables. Je m'en sers pas, donc on s'en fout. Limite de régénération. Ouais, ça c'est bien. Il me reste 7 points. Capacité de chargeur des armes. Capacité de poids des armes. J'ai pas besoin d'avoir d'autres armes en final, parce que je m'en sors très bien avec ces deux armes. Je vois pas l'intérêt. Je vais prendre ça. Book, et c'est bon. Confirmer et quitter. Manipulateur kinétique. Je pensais qu'il allait monter le reste. Vetra, Dract. Ouais, Drac. Faut pas être Dract. Arrête avec son arme. Bordel que t'es con. Attends. Il y a un truc ici. Il y a un truc à côté. C'est quoi? Un architecte a parlé. Nous avons reçu un rapport de Neo Tuchanka indiquant une énorme machine reliquate était apparue et se dirigeait vers l'avant-poste. Ah, ça peut être merdique ça. Attends. On va lui parler. Bloup. Discutons. Qu'est-ce qu'il a à nous raconter, lui? Là. Merde, je me suis planté de côté. Ah, chier. Voilà. Boop. Bonjour, messieurs, dames. Ça se passe bien? Vous entendez bien avec les Krogan? Ok, d'accord, il y a de l'ambiance, je sens. Cariste Arcana, de l'initiative Andromède. Enchanté. Je suis ici pour faire les opérations et tenter de rétablir les relations entre le Nexus et le clan Nakmor. Obtenir leur coopération est une réussite formidable. L'union fait la force. On ne peut pas se permettre d'être divisé. On doit coopérer pour survivre. Je comprends, et je promets de faire tout mon possible pour préserver ces relations. Ok, d'accord, très bien. Ça bug encore. Attends. Il faut que j'y aille. Attends. Je peux pas... On fait des progrès. C'est lent, mais ça prend fort. What the fuck? Et je lui ai pas parlé, là. Oh! Il faut que j'y aille. Oh! Arrête de fumer, le jeu. Arrête de fumer, là. Ça te fait du mal. Ok, d'accord, très bien. Tu comptes me... Oh, putain, ça me saoule, les bugs, là. On fait des progrès. Oui. C'est lent, mais ça prend Faut que je fasse l'état de l'avant-poste. Quelle est la situation, ici? Justement, il y a quelque chose qui m'inquiète.
Il y a un architecte reliquat dans la région. Ah ok, c'est ça que je devais faire. Vous l'avez peut-être aperçu en venant ici. Non, c'est quoi un architecte ? Nous ou les Krogan, c'est le truc qui passe au-dessus là ? J'ai cru voir un truc passer. Je vais m'en occuper. Je vais voir ce que je peux faire. Merci, Ryder. Putain, j'ai cru voir un truc passer énorme. Je vais dire à la sécurité de rester en alerte. Ta. Si le combat est inévitable. Oui, on se battra, blablabla, on s'en fout. Tais-toi. Il y a un truc qui est passé, je crois, non ? Eh, je suis pas fou, j'ai vu un truc, hein. Attendez, c'était le décor ? Non, c'était pas le décor, il y a un truc qui est passé. Poussez-vous ! Ah ! Il est où ? Non ? Bon, bah non, alors je suis fou. Je suis malade, je suis taré. Faut que je... Ah, si ! Là-bas ! J'avais pas rêvé, il y a bien un truc qui passe ! C'est quoi cet engin ? Attendez. On va aller voir. On va aller voir parce que j'ai vu un truc. C'est pas ça l'architecte, elle m'a dit que c'était un truc énorme. Si, regardez là-bas. Il y a une espèce de ver de terre. Tout ça pour un coup de poker dans une galaxie inconnue. Je me suis pris un chargeur en pleine tronche. Le conducteur était en train de palabrer pour savoir où stocker les rations. Ça circule. Je lui ai foutu une paye en plein dans les gyros. Bien joué, c'est bien, Drac. T'es où ? Y'en a, mon petit ? Y'en a, hein ? J'ai pas peur. C'est bon, j'ai rattrapé, ok. Hop, vas-y, sur la crête. Ça arrive sur ma gueule. Yaaah. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, je m'y ferai jamais à ce truc. Ah, quel truc ? Salut, copain ! C'est quoi ce truc ? Je peux lui foncer dessus ? Ryder, un gros verre ! Bah ouais, mais il vient ! Un gros verre, je fais quoi avec lui ? C'est ça leur verre ! Eh les gars ! Les gars, les Krogan ! Je suis en train de pourchasser votre verre, mais il sert à rien. À chaque fois que vous dites ça, je vous crois un peu moins. Ok, what the fuck. Bon, bah, il s'échappe, a priori, ça doit pas être ça. L'architecte, mais leur verre, en fait, c'était un truc reliquat. Ok, donc, bah, tout est normal. Bon, et ben, on va aller directement au reliquat. Il est énorme. Ouais, mais t'es moins énorme que le verre, quand même. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh mon dieu, et puis avec le fléau à côté, ça va être sympa à combattre. C'est lié aux reliquats. Bonjour. Éliminer les reliquats. Ok. Bonjour, petit monsieur. Est-ce que tu es gentil ? Je sais que je te menace, mais... Oh là, il se pose. Cachez-vous. Oh. Videz les pattes. Ok, d'accord, je vise les pattes. Je me cache, je crois dans les... Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh putain, je recule. Non. Visez les conduits. Qu'est-ce que ça ? Oh là là ! Wow. Calme-toi, mon grand. J'ai rien fait. C'est pas moi qui te tire dessus, je t'assure. Tiens dessus ! Aïe. Non, c'est bon, il m'a pas eu. Putain, c'est la panique. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que tu fais ? Merde. M'envoie ces bestioles. Boum. Tirez chaud. Non, me tire pas dessus. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? C'est le moment. Bah chaud. Tout le monde dessus. Aïe. Vite. Oh putain, j'ai bien fait de monter mes compétences, hein. Allez, meurs. Putain, la vache, le sac à PV. Non. Aïe. Merde, je me suis planté de bouton. Ah. Non, dégage avec tes bouboules. Tes bouboules de l'enfer. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Putain, la vache. Mais c'est un énorme sac à PV, ce truc. Wow. Shoot. Feu. Tirez-lui dans la tête. Oui, je sais, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, il est pas content. Il a pas aimé les pruneaux. Qu'est-ce qu'il va faire? T'énerve pas, mon petit, c'est pas grave. C'est rien, c'est ça va s'arranger. Non. Il fait des copains. Non. Tes copains, tu les gardes. Boum. Oula. Tu me tires en plus dessus. C'est bien, Drac. Il y en a encore un. Le dernier. Je suppose qu'on peut de toute façon pas l'avoir. Voilà.
Ouais, crème. Wow! Ah, je l'ai pas vu lui. Ouais, c'est ça. Oh là là. Se cacher. Il n'y avait pas un point sensible, j'avais vu un point sensible à un moment donné. Allez, prends ça. Est-ce que ça te fait des dégâts? Merde. Il n'y avait pas un point sensible à un moment donné. Oh, ça pique! Aïe! C'est bon. Et d'un. Bim! Ah, t'as pas eu le temps. On y est presque, tu rigoles? Tu rigoles, il reste deux pattes. Si on doit faire ça sur toutes les pattes, c'est chaud. Oh, qu'est-ce que tu fais? Je sais que t'es pas content, mais c'est pas grave. C'est pas grave, tu sais, on va s'arranger. Suivez-le. Ah bon, on va sortir le nomade. Nomade. C'est parti. Oh, tu t'installes où? Ok, tu t'installes ici. Ok. Très bien. Lis les pattes. J'attends qu'il arrête de me tirer dessus. Voilà, parfait. Non, pas les boules. Là, il est où le point sensible? Il est où le point faible? Ah, ça va être long. Non, pas ça. Oh merde, je suis en surchauffe. Fuck. Aïe, bobo. Ah, ça y est, il fait une indigestion, il va nous lancer ses copains. Et vas-y, balance. Balance, je les pète. Boum. Et là. Au moins, c'est rapide avec mes pouvoirs de la mort. Il y en a encore. Et il est là. Allez, vas-y, dégage. Fais pas chier. Va mourir. Quoi? Ah, chier. Voilà, c'est bon. Shooter! Aïe. Et j'ai vu qu'il y avait un point sensible, j'ai touché quelque chose. Pas content. Conduis! Allez les gars là! Bossez un peu, merde! Oh là là. Non. Aïe. Non. Aïe. Hop. Bordel. Putain, les gars, vous tirez ou quoi là? Je vois pas de balles qui viennent chez vous. Ah! Aïe. C'est trop rapide. Ah! Bordel. Il est pas content lui, hein. Lui, il est vénère. Allez. Putain, la vache. Et montre-moi ta papatte. Oui, c'est pas grave, t'inquiète pas, on va te soigner. Un coup de... Et boum, sur le fracasseur. Parfait. Tout le monde d'un coup. Comment ça t'es pas mort toi? Shooter. Non. Pourquoi? Oh la vache, j'ai pris super cher. Faut vite que je reprenne de la vie. Tentez. Vite. Non. C'était pas le bon endroit où s'arrêter. Vite. Allez. Non, pas ça. Allez, sérieux les mecs. Bordel. Avec toutes les améliorations que j'ai, je peux pas le péter plus vite que ça. Ah. Il l'a sorti pas. Tant mieux. Ah, il se rebarre. Bon, bah, c'est parti. Heureux nomade. Mais. Tu vas où là? Où tu vas? Ne laissez pas filer. Bah écoute, il va tellement vite que j'ai du mal à le suivre. C'est tellement rapide, tellement fulgurant. Attends. Oula, c'est quoi ça? Ça fait un truc bizarre le marqueur du. Du nomade. Waouh. Eh bah tirez dessus, au lieu de le dire que c'est vulnérable. Ah, j'ai vu un point sensible. C'est sur quoi je dois tirer? Là, j'ai trouvé. Yes. Là. Boum. Yes, ça va beaucoup plus vite. Hop. Attends. T'es où? Merde. Je l'ai perdu. Là. Merde. Ah, fuck.
Je l'avais, le point sensible. Oh, aïe. Vas-y, amène tes potes là. Et boum! Voilà, 3 d'un coup. Il y en a encore 2. Allez, voilà, c'est bon. Oh putain, j'avais oublié ça. Aïe. Oh là, ça y est. Est-ce qu'il va m'ouvrir sa tête? Conduis. Tirez dessus. Allez les gars. Non. Aïe. Ah, les bombes, elles me saoulent. Dégage avec tes bombes. Mange tes bombes. Oh, non. Ok, pourquoi il y a... Wow. Je peux plus l'attaquer. C'est quoi cette arnaque? Wow. C'est quoi cette arnaque là? Mec. Eh. Ah bah voilà. Pourquoi il m'affichait plus son point sensible? Allez, go les mecs. Shoot. Ah. Wow. Trop d'un coup là. Allez. Les gars, tirez. Putain, sérieux, je les vois pas tirer. Ça y est, là, ils tirent. Merde. Attention. Ah. Je commande plus trop, hein. Je suis concentré, j'ai pas envie de crever. Parce que vu le sac à PV, il faudrait que je me retape tout. Non, j'ai pas envie. Il se multiplie. Oui, oh, ça. Ça va, c'est le moindre mal. Allez, boum. Il y en a un par là. Je l'ai vu. T'es où? Où tu vas? Où tu vas, mon grand? Viens ici. Oh. Non. Putain, la vache. Qu'est-ce qui fait mal? Il pique violent, hein. Il pique vraiment violent. Il est où, le truc? Voilà. Toi, dégage. Voilà. Il est où, le dernier? Il y en a encore. Putain, la vache. Mais mourez! Mourez! Fracasseur de merde! Il y en a encore un là. Eh bien, Drac. Ah. Mais qu'est-ce que vous foutez, les gars? Pourquoi il est à perpète, l'autre? Pourquoi il est à perpète? Faut que je bute sérieusement pour voir la suite? Mais sérieux, c'est quoi cette arnaque? Viens là, toi. Tu me saoules. Va mourir. Non, c'est vrai? Oh, très mal placé. Shoot, les mecs. Allez, Drac. En fait, Drac, il peut aller au corps à corps, c'est pour ça qu'il shoot pas. J'ai l'impression que je suis pas trop mal passé. J'allais bien, mais non, finalement. Allez, on y est presque. Ouais, c'est bon. On y est presque. Y'a plus que la tête. Visez. Allez, je me mets de là. Là, je suis bien là. Oh non! Non, je suis pas bien. Aïe. C'était juste. Pourquoi je suis... Ah putain, c'est vrai, je suis trop loin. Si je suis trop éloigné, ah, je peux plus toucher sa tête. Allez, go. Et en plus, les autres n'attaquent plus, quoi. Allez, vise. Aïe. Allez, on y est presque. Non, je suis caché. Et presque. Les gars. Tirez, bordel. Tirez. Aïe. Vite. Non. Ah, j'ai plus le bouclier. Aïe. Wow. Allez. Yes. Mort. Oh. Connectez-vous de... Où ça? Où ça, me connecter? À la tête? Oh là. C'est quoi ça? S'il me dit connectez-vous vite, faut pas que je perde de temps. Ah, c'est quoi cette arnaque? Allez. Activé. Mon dieu. Oula, tu pars où là? Eh, tu pars où? Je t'ai... Mais... Ah bah il se barre, ok. Ok, bah je l'ai niqué mais il se barre. Conteneur, parfait.
récupération. Ouh, 6 sur 9, je suis pas loin d'avoir suffisamment de noyaux pour Epibi. Je sais pas ce qu'elle va faire avec, mais bon. Ok, eh ben, wouh, ça c'était intense. C'était intense et c'était un poil trop long. Le sac à PV là, c'était bon, hein. Bref, là on a une cache. Viabilité est 100% les mecs. Yes, on va pouvoir partir de la planète. Neo Tuchanka. J'adore le nom Tuchanka, je sais pas pourquoi. Ça fait très tribal. Allez, poussez-vous, poussez-vous. Urgence. Oui. L'architecte n'est plus hostile. Même s'il s'approche d'ici, il ne présente aucun danger. Ça me soulage. Ok. Merci, Ryder. Mais qu'est-ce que ça fait exactement un architecte? Bah, on sait pas. Il faut que j'y aille. Cool. Prenez soin de vous, pionnier. Ouais, merci. Toi aussi. Prends soin de toi. Et maintenant, on part sur le vaisseau contacté pour l'Arche Turienne. Je sais pas si on va les trouver un jour, les Arches. Hein. C'est tellement longué, leur truc, là, pour qu'on ait des informations sur les Arches. C'est impressionnant. Ryder, j'allais justement vous appeler. J'ai une mauvaise nouvelle. Tout va bien. J'ai des chiffres, des coordonnées qui clignotent dans ma tête. Je crois que c'est un SOS que ma scène m'envoie. What the fuck? C'est peu probable. Oh, je vais lui mettre, c'est possible. Garder l'espoir, maintenir l'espoir, le susciter malgré ma tête de con. Ça pourrait venir de votre implant, Sam. Il m'envoie sa position. On a trouvé des indices suggérant que le Natonos pourrait bien être intact. Quel genre d'indices? Des modules de stase ont été largués depuis l'Arche. Il n'y a aucun survivant. Mais d'après l'historique, ça s'est produit longtemps après la collision du Natonos avec le fléau. Quelqu'un pilote encore ce fichu vaisseau? Ouais, quelqu'un. Peut-être que c'est Sam qui laisse des indices. Ne vous emballez pas trop, fléau, quand même. Fléau ou pas, des colons ont tout de même été éjectés de l'Arche. Il doit y avoir une explication. C'est quand même bizarre. Voilà les coordonnées transmises par mon implant. Retrouvez-moi là-bas. Des réponses nous y attendent. Ok, très bien, parfait. Attends. C'est pionnier, quoi ça? J'ai détecté le dernier traceur ZK dont on a besoin. Ok, il faut qu'on trouve le docteur Kennedy avant l'Héroïka. Oh, le docteur Kennedy va attendre. Écoute, là, on a l'Arche Turienne, elle nous casse les couilles. Anomalie détectée. Où ça? Bip, 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 c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a ici? Largué. Il est instable, il dérive. Et je détecte des traces de passage d'un vaisseau Kert. Les Kert s'en mêlent aussi? Bordel. Putain, c'est de la merde. Ça va être un gang-bang de méchants, c'est bien ça. Ça va encore péter? Kalou avait raison, il y a des traces des Kert. Mais okay. Je reçois des données. Les quatre traceurs nous donnent un point d'origine. Sur Vold. Cette planète ne manque pas de Kert. Retour à Vold? On ne peut pas laisser un bébé près de ce centre d'exaltation ou d'Héroïcar. Il faut qu'on les retrouve sur Vold. Mais Vold, ça a été libéré, mec! Sois pas con! On a tout libéré sur Vold, c'est à 100% de viabilité. Le bébé sera bien. Établir un avant-poste? Non, c'est bon, trouver le Kennedy sur Vold. Ok, bon, on sait qu'elle est sur Vold. Ça, on fera. Bon, plus tard, on verra. On va aller à quoique. Non, vous avez raison, vous avez raison. Je vous ai entendu à travers le réseau télépathique de YouTube. On va finir le docteur Kennedy, parce que c'est vrai que ça fait un moment que je la suis. Et on va aller ensuite récupérer... chasse. Vold, il est là. Continuer la quête pour aller chercher l'Arche Turienne. SOS, SOS, à tout le personnel de l'initiative, on a besoin d'aide. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a peut-être des Roekars et des Kert qui se rapprochent de vous. Non, pas maintenant. C'est mauvais signe. Vous ne pouvez pas vous enfuir? Ça me paraît compliqué, pionnier. Et t'es en train d'accoucher, évidemment. Le moment est plutôt mal choisi. Tempête, le docteur Kennedy a besoin d'un vecteur d'évacuation sur le champ. J'arrive. Et... boum. Non, c'est bon, j'arrive les gars, j'arrive. Non, il y a urgence. Je vous laisserai pas la tuer. D'ailleurs, pourquoi les cartes veulent l'éliminer, tu sais pas? Ok. Allez, vas-y mon grand. Tire. Tu veux pas tirer? Boum, dans ta gueule. Oh. Attends. On arrive, docteur, attendez. Viens là toi, boum. C'est à mon bébé qui me pousse et qui me fait chier, qui pousse dans mon ventre. Oula, calme-toi. Vas-y, tire.
Tire. Tire. Tourelle. Ok, il veut pas tirer. Tant pis pour toi. On a quoi là? Ah putain, maintenant on a les autres qui arrivent là. Wow 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 wow. Les Roycards de merde. Viens là, enfoiré. Allez, viens, 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 viens te battre. Viens te battre. Viens te battre. Oh putain. C'est parti, je vais essayer mon nouveau sniper. Boum. 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 Oh yes. Boum. Ah, tu fais moins ta maline là, hein. Bam, dans ta tronche. Wow 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 wow. C'est parti. Merde. Non non, gros vaisseau. Aïe 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 aïe. Là faut que je fasse gaffe, faut que je fasse gaffe. Je fais trop le bourrin. Je vais crever. Ok. Tactique, tactique d'armes. J'ai pas des trucs que je peux récupérer ici. Voilà ça. Boum. Voilà, dans ta tête. Ça t'a plu? Ah ah. Tu peux plus m'avoir maintenant. Je suis caché. Allez les gars, les gars, les gars, les gars, dessus, tout le monde dessus. Vas-y, balance. What? Ça part rebondit. Merde, ça rebondit pas sur lui. Ça marche pas. Fuck. Les gars, combo explosif. Allez, 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 il est presque, il est mort. Voilà, parfait. Il y a encore du méchant. Il y a encore du méchant. Boum. Non, 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 pas le truc électrique. Aïe, 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 aïe. Mais, ça se dégage. Mais, pas le temps. Mais t'es con. On les a eu. Ils s'en sont sortis. Comment ça va, Kennedy? Ouf. Ça a l'air d'aller. Ils auraient pu attendre, merde. Oui, on a compris, y'a le gamin. Il va bien. Allez vous mettre en lieu sûr, docteur. Drake est content, il se dit qu'il va être tonton. Entendu, pionnier. C'est mon petit filleul, oh là là, c'est trop mignon. Elle veut dire, mais t'es taré. Je vais pas me nommer comme son oncle ou son parrain, un Krogan. T'es trop bourrin. Alors, Addison, heureuse? Préparation. Ta copine, ta meilleure amie, a eu un enfant. J'ai le docteur Kennedy en ligne. Elle est très fatiguée, mais en vie. Et le bébé? Il a les poumons d'une furie, mais il va bien. Parfait. Et maintenant que tu es de retour au bercail, c'est le rôle de l'initiative de te protéger. Absolument pas, fais ce qu'elle veut. Vous oubliez ses vols? On doit être autosuffisant. C'est quoi les réponses, là? Il faut les surveiller. On doit être autosuffisant. Bon, je vais mettre ça. Enfermer les gens, c'est pas la solution. On peut pas surveiller tout le monde en permanence. Vous avez dû passer le secteur au peigne fin et braver le danger pour les sauver. Oh, d'après ce que j'ai entendu dire, je fais ça tout le temps. Ça pour tous les avant-postes. Votre pionnier sait que vous ne pourrez pas faire l'autruche éternellement. Si vous voulez nous protéger, alors protégez tout le monde. Bah c'est quoi la meilleure solution? Colonie Deos ou Nexus? Colonie Deos peut-être, parce que comme ça le bébé pourra respirer l'air pur. Prodromos, c'est là qu'on a commencé notre nouvelle vie. Il serait ravi d'accueillir celle-ci. Ce n'est pas très loin. Si tu as envie de venir discuter, je n'ai pas changé, Foster. Et bim! J'espérais que tu dirais ça. Dans ta gueule, bien joué! Je vais l'appeler. Et comment s'appelle ton bébé? Quel nom vous avez choisi, au fait? Pionnier, peut-être? Non, 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 Ryder? Non, non, surtout pas. Non, c'est David. Très bien. David Edward. Parfait. En mémoire d'un vieil ami. C'est très bien. Au revoir, Ryder. Et merci. De rien, ça me fait plaisir. Toujours un plaisir de faire chier l'autre... Ouais, je vais pas le dire. Je vais pas le dire. Retiens-toi, arme. Bon, c'est parti. On va arrêter les conneries. Maintenant, on peut aller... Cherchez l'arche, je suis sûr que ça va être encore un truc. Oh bordel, je suis sûr que ça va être un truc à la con et on va encore pas pouvoir avoir l'arche turienne. Ça manque quand même de quêtes épiques. Chaque quête, c'est toujours des petits trucs à la con. Et on n'a jamais le gros truc, genre. En orbite stable autour de vous. On a trouvé l'arche turienne, on a trouvé le. L'arche Asari ou autre, je sais pas moi. On veut ça? Retrouver. Ah! Ah bah du coup, c'est à côté du nouveau monde. Est-ce que ça va se situer dans le même, au même endroit? Sur la même planète? Attention, tirage du loto. Attention. Brrr. C'est un 6. Regardez-moi
C'est un 12. Et est-ce que la bonne combinaison? Oui. Oui, c'est beau, c'est joli, j'adore. Mais je préférais le voir en vrai plutôt que de le voir comme ça, de loin. Loin des yeux, près du cœur, un nouveau monde. Attends. L'arche Thanatos? Nous approchons des coordonnées fournies par Avitus. On arrive sur l'arche? Oh, attendez, je laisse pour qu'on puisse voir l'arrivée sur l'arche. Là, c'est beau. Là, c'est beau si c'est l'arche. J'espère que je vais pas être déçu. Ah oui, l'arche, elle est à côté de la planète, du coup? Oh oui! Oh, oh, dis donc, elle est abîmée. Ah, c'est cool! On a l'arche! Activez scanner. C'est l'arche turienne. Elle a connu des jours meilleurs. Yes! Pionnier, je crois qu'on est sur la bonne piste. Oh! Clairement. On peut monter à bord sans risque? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Je vous retrouve à l'intérieur. Ok, on y va. On y va, oui. L'arche turienne. Oh! Oui, confirmé. Ah, attendez. J'ai qui? J'ai Vetra et j'ai Drac. Peut-être prendre plutôt Pibi, parce que je crois que Pibi... Non, je vais garder Drac, je vais garder Drac. Il y avait un truc comme quoi il disait que sur le monde, sur la planète... C'est sur la planète qu'il faudrait peut-être que je prenne Pibi. Parce qu'elle avait conseillé d'y aller avec Vetra. Presque plus d'énergie. Oh là. Les systèmes de survie HS. C'est un miracle qu'on ait encore de la pesanteur. Et est-ce que ça va? Oui, j'ai cliqué. Est-ce que ça va? Ça doit être pénible à voir. Je ne suis pas du genre à faire du sentiment, Ryder. Quand même. Contentons-nous de retrouver ma scène. H047C. C'était censé être le nouveau foyer des... Ah, donc c'est bien ça. Comme l'Habitat 7. La personne qui pilotait l'Arche tenait absolument à arriver ici, quoi qu'il en coûte. Ouais, mais attends, il n'y a pas de survivants? En larguant des modules, elle suivait le plan. Ouais, c'est ça, elle suivait le plan, donc c'est pour ça que je pense que c'est leur Sam qui a dû... Elle voulait atteindre son foyer. Ce n'est pas vraiment un foyer s'il ne reste personne pour y vivre. C'est vrai. Venez. Les suppositions ne nous mèneront nulle part. J'espère, c'est ce que j'étais en train de me dire. Le premier truc qui m'aurait stressé, c'est de... Vous avez la chance que cette partie de l'arche ait survécu. Ne vous fiez pas aux apparences, pionnier. La coque est en moi. De me dire qu'il n'y a aucun vivant. Aucun survivant. Merci, Sam. Toujours là pour me réconforter. Ouais, merci, Sam. Le scanner me permettrait d'analyser cela, pionnier. Attends, ok. Scanner. Hé, cette porte a encore du courant. Je vous déconseille de l'ouvrir, pionnier. Elle donne sur l'espace. Eh ben... Vous pourriez peut-être dévier le courant vers une autre porte? Mais non, mais c'est bien l'espace. Moi, j'ai envie d'aller dans l'espace. Ok, bon. Console, je suppose. Minip. Le courant a été dévié, pionnier. Oh... Ça me donne vraiment des sensations de films d'horreur, vous savez. Le courant a été dévié. Je peux y aller, du coup? Attendez. Non, je peux pas y aller, c'est rouge. Ok, d'accord. Boing, terminal. Qu'est-ce qui se dit? De Capitaine Drea Preyton. Vous trouverez l'intégralité du rapport en pièce jointe, mais Palaven va faire pâle figure à côté de notre nouveau monde d'accueil, Massen. Donc Massen est déjà sur la planète. Massen, qu'est-ce que je vous ai déjà dit à propos de vos torchons scientifiques? Pas la peine de me les envoyer s'il n'y a pas de graphique et d'image, c'est du charabia pour moi. PS, ça vous tente un petit verre avec Krix après la cérémonie de départ? J'ai un bon cru d'Orosque que je ne peux pas laisser entre les mains de n'importe qui. Voilà, plus de graphiques et d'images, vous pouvez compter sur nous pour les verres. Ok, parfait. Ma scène va me plaire. Boing, ouverture de porte. Je sais pas si cet épisode sera un peu plus long que d'habitude, mais là, c'est trop important. C'est l'arche turienne, bordel. Cette plante a été laissée à l'abandon. Ouais, super, génial le... Celle-ci a encore du jus. Ok. C'est dans un sale état. Génial l'analyse. Votre Sam pourrait y accéder, vous croyez? Ouais, on va essayer. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. J'ai trouvé un enregistrement de Dea Preyton, le capitaine de l'Arche. L'image est corrompue, mais je peux récupérer le son. C'est toujours ça? Le Natonos se désagrège. La salle cryogénique est à moitié fichue. Merde! J'essaie d'évacuer tous les passagers conscients. Par les esprits, on n'a plus le temps. Trouvez ma scène. Oh fuck. Et espérons qu'elle est trouvée, mais ils sont tous morts. On s'en fout de ma scène. La situation devait être désespérée pour qu'elle décide de partir. Le Natonos n'est pas arrivé ici tout seul. Fuck. On découvre ce qu'il s'est passé ensuite. Putain, c'est tout. Les données de cette console sont corrompues. Il faudra en trouver une autre. Ou le bloc Sam de l'Arche. Très bien. Poursuivons les recherches. Sérieux, Ryder qui dit... j'espère que Bassett a survécu. Mais putain, mais t'es un enfoiré. Il y a tous les Turiens surtout. Bassett, on s'en fout. À la limite, c'est notre copain là qui reprendra le relais en tant que pionnier.
Mais alors, les... par contre, tous les Turiens, j'espère qu'ils sont pas morts. Oh, stabilité cryogénique mise à jour. J'ai reçu la confirmation qu'à l'exception du commandant et des équipes affectées au système de survie, tous les passagers sont rentrés en cryostase. Ah, c'est peut-être bon signe. Blablabla. Une fois tout le monde en sommeil, j'effectuerai une dernière ronde. Personne n'a essayé de quitter le bord au dernier moment. Je ne sais pas si je dois être impressionné ou anxieuse que tout le monde se montre aussi confiant en cette mission. Déa. Avis. Jacana a dit que tu pouvais t'occuper de la fermeture de mon module. Je sais que j'avais promis de suivre le protocole, mais je tiens à ce que ton visage soit la dernière chose que je verrai avant de quitter la Voie Lactée. Ok. Bon, ça pue du cul quand même. Explorer le Natonos. Boum, 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 boum. Ouverture. Attends. Là, il y a un conduit qui mène ici. Je vais suivre le conduit. J'ai... Oh, oh. Par là. Analysons des débris. Ah ouais, vraiment. Ah là 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 là. Toujours à analyser de la merde. Ok. Là, je peux peut-être ouvrir. Non. Celle-là aussi a besoin de courant. Ah, scheiss. On peut peut-être faire la même chose qu'avec l'autre porte. Dévier le courant d'ailleurs. Mais l'autre porte, j'ai pas pu l'ouvrir. Si, je peux l'ouvrir. Attendez. J'ai l'impression que... Oh là là, c'est long l'ouverture. Je comprends le côté réaliste, mais c'est vrai que c'est chiant qu'ils aient fait le truc que ce soit aussi long à ouvrir. Là, il y a un passage. Alors peut-être que je peux maintenant ouvrir là. C'est pas censé être verrouillé là. Mais... Ah, console là. Dévier. La porte devrait maintenant être opérationnelle, pionnier. Ok, parfait. Ouverture. Je me demande si c'est leur Sam ou si c'est la... Mais si c'était leur Sam, Sam aurait peut-être pu se connecter et découvrir que c'était lui qui avait... Enfin, le leur d'intelligence. Avitus, par ici. Qui avait du coup amené le vaisseau jusqu'ici. Sam, le mode... Massène, relancez-le. J'y travaille, calme-toi. Les données vidéo sont corrompues, comme pour l'enregistrement précédent. Bizarre ça quand même. Et le son. Pourquoi ça serait corrompu? What? C'est le FEO qui a corrompu le truc. Gardons la tête froide. On va essayer de le calmer. Je n'ai jamais été objectif en ce qui concerne ma scène. Je comprends, mais bon. Dans son intérêt. Je lance l'enregistrement sonore. Sam, le module de ta vie est loin d'ici. 300 mètres. Ah, c'est lui qui l'a sauvé? Une promenade de santé. Bon sang. J'ai parlé un peu vite. Et la suite? C'est tout ce que j'ai pu récupérer. Merde. Il a peut-être tenu le coup. On sait qu'il a survécu au premier impact. On va essayer de le garder l'espoir. Il est encore trop tôt pour désespérer. Bah, c'est-à-dire que si l'Arche est arrivée en même temps que nous, ça fait quand même un petit moment qu'on est là. Donc s'il était sur ses systèmes de survie, ça va être tendu pour avoir survécu, hein. Il y a un truc ici. Cette porte mène au bloc Sam. Il faut qu'on l'ouvre. Ok. Le bloc Sam devrait maintenant être accessible. Bim. C'est pas vraiment difficile, hein. Allez, ouvre. On va se connecter entre Sam. Où est le pionnier? Où est ma scène? Avis. Commence. What? Étoile. Avis, c'est comme ça que ma scène vous a appelé, non? C'est la seule personne qui m'appelle comme ça. Ok. Mon homologue a subi un grave traumatisme. Si je parviens à compartimenter les dégâts, il devrait pouvoir nous parler. The fuck? Fais attention. Pas question de perdre ce Sam parce qu'on s'est précipité pour avoir des réponses. Et pas question de te perdre aussi, mon petit Sam. Oh. Avitus Rix. Ne meurs pas. Bienvenue chez vous. Sam, Massen m'a envoyé les coordonnées de cet endroit. Il faut que je le retrouve. Vous faites erreur. C'est moi qui ai envoyé ces coordonnées. Oh oh. Est-ce que... Massen s'est intégré à Sam? Je n'aime pas ça. Là, ça devient franchement bizarre. Et après, tu vas nous dire que c'est toi qui as piloté le Natonos jusqu'ici. C'est le cas. Et bim ! Le pionnier m'a donné l'ordre d'aider à... Qu'est-ce que j'avais dit ? Pour les Turiens. Où est ma scène ? Il nous a quittés. Ah merde. Ce truc déconne encore. Il raconte n'importe quoi. On devrait pouvoir accéder au registre de... Pourquoi ils m'ont tiré ? On y trouvera peut-être des réponses. Eh, ça n'a pas de logique ce que tu dis. Un morceau du truc qu'on a touché a déchiré ma combinaison. Ça fait mal. Mais pour ça, c'est magnifique. Il faut que tu continues, pour nous deux. Ne te laisse pas emporter par ton tempérament. Sam, commence le transfert. Oui, pionnier.
Même les étoiles brillent plus fort. What? Il est mort avant la fin du transfert. C'est sans doute l'origine du traumatisme de Sam. Ah. Pourquoi m'avoir fait venir ici? Quel intérêt? Bah pour que tu deviennes le nouveau pionnier. Bah oui. Les Turiens ont besoin d'un pionnier. Sois pas con. Je ne peux pas. J'attendais mieux de vous. Allez, je vais faire le gros bâtard. Ouais. J'attendais mieux de vous. Ouais. Arrêtez de chercher des excuses. C'est pas digne d'un spectre. Je vous l'ai dit, je suis à la retraite. Ok, bah à toi de voir. La dernière action de ma scène a été... Qu'est-ce que tu veux que je m'en fuis? Que ça me fasse... Mais je peux pas vous forcer à prendre le relais. T'as pas envie, écoute. Je vais le décevoir. Allez, Vetra, prends le relais. Prends sa place. Ok, très bien. Souvi, appelez Tan. Dites-lui qu'on a trouvé l'arche turienne. Qu'il envoie de quoi récupérer le bloc Sam. Et le pionnier turien? Il n'a pas survécu. Lol. Ça va vraiment finir comme j'avais dit, c'est-à-dire qu'on va être le seul pionnier de toutes les races de la Voie lactée. Et on va être l'humanité, le dernier espoir de toute la galaxie. Oui, on sait. Trouver le bloc, ok. Mais on sait pas s'ils ont survécu, les gens. What the fuck? Moi, je veux savoir s'ils ont survécu, c'est un peu le plus important. Non, c'est pas le plus important. On s'en fiche. Attends, non, je veux pas charger, je veux journal. Relations alliées. L'arche turienne n'est plus là, donc j'imagine que... Je suis dans le module d'évacuation, comme d'habitude. Oui, on sait que vous êtes tous dans le vaisseau. Est-ce que je dois appeler? Parce que ça bug encore la mission. Non, bon, bah écoutez, bah c'est fini. Ok, ça se finit comme ça. Bon, et bien sur ce, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner et me laisser un commentaire vis-à-vis du jeu. N'hésitez surtout pas. À la prochaine, ciao.